truc quand on sort de d'une petite ville active. Dans quel état sont... Vous voyez, tout est cassé, absolument tout cassé. Là, c'est... Regardez le poteau, le truc. Là. Vous voyez les îlots directionnels. Dans quel état ils sont. Tout est cassé, quoi. Et là, je me retrouve au stop. Regardez, avec les poids lourds qui... Comme ça. Au stop, il faut tourner de l'autre côté. Au lieu d'avoir fait comme en Espagne, voilà, vous voyez des traces au milieu, là, parce qu'il y a eu des carambolages, des morts et tout. Allez, je peux y aller. Ah, c'était pour vous montrer. Alors ici, par exemple, c'est pareil. Hein, pour faire des choses de carac. Et je vais vous montrer, vous voyez cette petite route pleine de trous, là. Les trois quarts du temps, bon, là c'est fini, je suis fin de limitation à 70, je pourrais donc rouler que à 80. Et là, des fois sur le côté, les gens, c'est pour la générale, vous voyez, les poids lourds, tous les poids lourds internationaux, ils passent par là, par le côté. Pourquoi? Ben, je vais vous le dire, hein, ça porte pas 36 000, non, parce que les manches merde qui ont pour de marquer sur les papiers. Protégeons nos employés, tous les gens vont faire le tour là-bas, par la petite route, parce que sur le pont, d'un côté il n'y a pas de sortie parce qu'ils ont fait un tir à l'arc, et de ce côté ils n'ont pas fait de bretelles pour sortir, alors tu es obligé de taper la merde, voilà. Allez, je vous laisse là, je vous reprends tout à l'heure.